Salut, on se retrouve pour la suite directement. Rappelez Khan hein, qui nous avait accompagné pour combattre Necklord. Il y a quand même un pouvoir vraiment horrible. Marakan, il est quand même il est cheaté, mais... Bon, allez, on va pas le prendre. Khan, c'est quand même un des persos les plus puissants au niveau magie. Bah, il a une rune, la rune résurrection, qui est très très puissante. On avait déjà vu un aperçu. Quand on avait fait... le combat contre Necklord. Alors, c'est un des... Je crois que c'est le perso qu'on voit le plus tôt dans l'histoire qui nous rejoint pas tout de suite. Quoi. Voilà, là voilà. Voilà, c'est d'elle que je parlais. Hein. Blanc. Putain, il peut pas faire une heure avec Kokoba. Ça me choque ça. Ouais, c'est pas normal, je suis sûr qu'ils ont un truc tous les deux. Vous voyez, ils ont vraiment exactement la même chose, hein, je l'avais dit. Normalement ça va pas être trop dur, surtout que j'ai un perso level 99. Perso level 99 mais avec une arme toute pourrie pas améliorée. Hein. Donc voilà, elle fait pas ce que c'est mal au club. Hein. Par contre il a une défense de ouf. Également un pire. Hein.
on va faire ça plutôt. J'aurais dû faire auto. En quoi que lui, il va peut-être faire. C'est pas très mal Wakaba quand même. Un chat, c'est juste... Voilà, un boss très simple. Qui ne donne que 1000 punch d'ailleurs. Ah, donc on a vraiment une équipe spéciale, on a un vampire avec nous. On va la mettre là à la place de lui. Parce que de toute façon il gagne pas d'XP. D'ailleurs elle a quoi elle? Ah, c'est puissant, hein, putain. Et Claire a des soucis à se faire entre elle, Khan, mon perso, les Pestar Dragor. Non, c'était pas dans l'auberge, c'était... Putain, j'aime pas cette ville. Les maisons sont mal placées, je trouve. C'était pas là. C'était Miracrom, puisque Tinto s'est envahi de vampires. Putain. C'est trop de la merde. Peut-être là, non? Non, c'était pas là. Oh là là. Moi, c'était là. Un peu bizarre.
crois qu'il a pas compris la blague. J'aurais pas dû garder l'autre là. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû enlever Wakaba. Le mec qui a rien compris. Ah, on peut refaire l'équipe. Prendre Nanami en fait, je suis pas sûr. Il faudrait quelqu'un qui ait du soin. Prendre Meg, ouais. Allez, on part comme ça. Donc là, voilà, comme Necklord a dit, il y a tout un réseau souterrain de mines. C'est comme ça qu'il est arrivé à Tinto. Et justement, on va aller dans la mine. Pas trop par où faut aller. Non. Donc ça ressemble beaucoup à la caverne du vent. Hein. C'est quoi, c'est une soucoupe? Ouais. Pas mal. Ça va, les combats aléatoires sont pas trop fréquents. Ça c'est bien. Il va y avoir plus de jeux comme ça. Qu'est-ce qu'on a par là? Je fais tout le temps auto. Hein. Oh putain, ça fait mal.
Je fais exprès hein, de faire que auto, comme ça j'économise mes trucs. Et puis au pire, regardez, je peux les soigner comme ça. Donc on s'en fout. Et quoi là? Super. Pas mal ça. Putain, j'ai plus rien. Waouh, c'est super puissant. Putain, je m'attendais pas à un truc pareil. Ouais, va falloir jeter des trucs par contre. Je suis un peu paumé là. Ok de jeter. Alors ok de jeter. Collier d'argent. Ah c'est collier. Personne peut l'équiper leur truc. Bon c'est pas grave. Ah y'a un autre truc. Tiens y'a Masus. Masus, là que vous voyez, c'est un des mages les plus puissants du jeu. Je crois qu'on peut pas le recruter tout de suite. Merde, il y avait un truc là-haut. Ouais, du coup, on va pas récupérer tous les coffres là, ça va être trop long. Super, point de sauvegarde. J'hésite à m'arrêter là, parce que c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de boss. Je sais que c'est dégueulasse, parce que du coup, vous aurez pas vu les boss, mais bon.
Allez, je continue. Vidéo un peu plus longue. Tant pis. C'est chiant, je suis obligé de jeter des trucs à chaque fois. Ça, c'est quand même bien. Pas mal d'objets sympas. C'est beaucoup de bons objets, je trouve. Putain, c'est abusé. Tout à l'heure c'était bien, il n'y en avait pas trop, là ça rate pas. Non, mais là on était déjà venu. Pas chiant. Je suis en train de me perdre en fait, c'est violent là. Je comprends rien. Ouais, donc c'est en bas à gauche, quoi. Voilà. Laissons, on lui reparle. C'est un des derniers persos qu'on obtient. Lui, il est... je sais pas, je crois qu'il faut 104 persos ou 103, un truc comme ça. Enfin, un truc énorme, quoi. Presque tous les persos, vu qu'il y en a 108. Par contre, ça commence à me saouler. Faut aller où, là? Mais je comprends pas. Je crois que je vais sauvegarder et on va continuer après parce que je suis paumé là. Je suis complètement paumé. Des fois je me paume alors qu'il n'y a pas de raison de se paumer, mais là je sais pas. C'est forcément au-dessus puisqu'on était allé. Très lent hein, les zombies. Pas touché une seule fois alors que je vais même pas attaquer dessus. Attends, mais ça c'est non, là y a rien, y a rien là-haut, là-haut, non.
Bah, je suis le dé là, du coup. Ok. Je peux pas aller là, ni là. Là, c'est là d'où je viens, non? Peut-être qu'il fallait aller à la droite. Ah non, mais il y a des coffres par contre. Oh là 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 là. C'est le méga bordel, hein. Mais tant pis. J'aurais dû faire le tri. Ouais, écoutez, là ça va être trop le bordel, parce que je suis en train de me paumer, la vidéo va faire 45 minutes. Si j'arrête pas, donc désolé, même si de vous avoir fait attendre pour rien. Mais je pense que... Ouais, ça c'est là d'où je viens, donc ouais, non, c'est mort. On va aller sauvegarder. Et puis je vais vous quitter après. Putain, même ça j'y arrive pas. Par là. Non, c'était l'autre. Sens d'orientation de merde, quoi. C'est même pas sens d'orientation là, c'est mémoire et logique quoi. Zéro sérieux. Attendez, c'est pas à gauche. Donc ça peut être que là. Là il y a Masus. Là il y a un coffre. Là j'y suis allé tout à l'heure. Donc on est obligé de monter. Si je vais à droite... Oh putain. Oh le con. J'ai trouvé. Quel boulet. J'étais persuadé que c'était vers le haut, mais c'était vers le bas en fait. Putain, je fais vraiment une grosse merde. Bref, on va terminer le donjon, parce qu'il devrait être terminé bientôt, c'est le point de sauvegarde. On va démonter le boss et puis ça ira. Où il est? Alors là, faut bouger une caisse. Oh. J'aurais pu faire un truc comme quoi ça se met automatiquement. Sérieux là? Mais putain! Non mais c'est une blague! Et je vous jure, c'est n'importe quoi, j'ai pas le temps! Et je relâche le bouton direct! Mais c'est quoi ce délire? Quoi? Oula! Eh, écoutez, non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon! Ça m'a saoulé. Comment on remonte? Dis-moi qu'on peut encore remonter. Ah bah non, là je suis bloqué ici comme un connard. Non, c'est pas vrai. Ah si. Putain d'enculé. Pardon. Ouais, on se laisse ici, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut.